connais et je pense que maintenant tu me connais et le public me connaît, j'ai boxé sans prétention à 40% de mes capacités. Aussi bien mes anciennes capacités que mes nouvelles, parce qu'il faut savoir que je suis parti 6 mois dans un camp d'entraînement à Paris et ça m'a fait apprendre d'énormes choses et dégoûté parce que j'ai même pas pu vous montrer. Vous imaginez, vous rajoutez un méchant moteur à votre voiture et vous pouvez même pas l'utiliser. Après, il faut savoir aussi qu'il était bon en face. Mais je suis content d'un côté parce que c'est un combat qui m'a permis de m'améliorer et de montrer que même si au début j'étais perdant, eh bien, j'ai réussi à remonter la pente. Et je pense que c'est important ça dans la carrière d'un boxeur. Moi, la boxe, ça a commencé de famille, c'est le papa qui a commencé. Ensuite, l'oncle qui est décédé, père à son âme, l'Arbi Mohamedji qui était champion de France. Puis il y a eu les cousins. Et moi, je suis arrivé là-dedans par hasard, donc il y a 3 ans de ça maintenant. Je suis arrivé il y a 3 ans de ça, 3-4 ans, j'ai commencé à mes 16-17 ans, maintenant j'ai 20 ans. Alors mon père, c'est mon entraîneur, ma mère, c'est la meilleure. Ma mère, c'est la secrétaire, c'est aussi l'organisatrice avec le papa. Mon cousin Abdel Achour, qui est aussi organisateur. Donc voilà, c'est en fait, on baigne dedans, on est en famille. Donc quand on organise tout, c'est en famille. Quand on fait tout, c'est en famille en fait. Donc d'un côté, c'est bien. Et d'un côté, ben, c'est stressant parce que t'as le poids aussi de tous tes parents et tu veux pas les décevoir parce qu'ils ont tellement trimé pour toi que voilà. Donc je portais un assez lourd, pas fardeau, mais d'assez lourdes charges qui m'empêchent de perdre.